partir d'ici. Parce que tu es mort à la croix. Je suis arrivée à la maison, je n'ai pas pu dire. Je suis celle
m'a pas volé. Et c'est quand tout a devenu normal, je suis rentré pour faire les achats. Donc j'ai souffert. Et quand on fait le sang, on va à l'hôpital. J'ai des comprimés. Depuis 2013 jusqu'en 2016, je prenais les comprimés. J'ai une boîte de comprimés, il y a 200 médicaments, 200 comprimés. Et l'autre, il y a 100. Et il y a des petits étudiants, il y a 200 comprimés. Plus les 200 dans les 300 comprimés. Quand je ne prends pas les médicaments, je ne peux rien faire. Donc les médecins m'ont dit de ne pas trop bousculer. Parce que quand je bouge trop, j'ai mal. Quand je suis dans le bruit comme ça, je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai très mal. Donc on m'a dit de coucher, de rester couché longtemps. Ou si mon mari est lui qui m'envoie dans les coins, je serai dans la joie, à la plage, mais à la plage, on ne parlait pas. Et c'est dans le supermarché, c'est pas la tête. Mais quand même, quand je viens, je souffre. Et après le travail, là, j'ai mon dirigeant qui m'a exhorté et mon mari, que cette fois-ci, je prends ça au sérieux. C'est d'habitude, quand ça commence, je ne venais pas. Soit je viens une fois, deux fois, que je suis à la maison. Mais cette fois-ci, une semaine avant le renversement, j'avais commencé pour moi avant ça. Et dimanche, mon troisième dirigeant allait chez moi parce que j'avais très mal. Je pleurais. Donc il m'a dit comme ça, il m'a exhorté de prier. Et quand sa femme était du palocitaire, il disait à Dieu que Dieu verse le sang de sa femme et qu'il met un nouveau sang en elle. Donc c'est comme ça que je priais en demandant à Dieu d'enlever mon cerveau et qu'il met un nouveau cerveau. Et lui, on a fait cette prière. La nuit, j'ai prié. Et dans mon sommeil, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et j'étais couchée sur un lit. Parce que j'ai prié en espérant justement dans le sommeil. Et je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. J'ai pris un monsieur à côté de moi qui était en blouse d'hôpital. Et il avait deux choses dans sa main. Et il m'a dit que c'est le siège. C'est le cerveau que j'ai demandé qui est venu. Il dit, mais je t'ai dit que tu es guéri, mais tu ne crois pas. Tu veux forcément faire ton salaire.
de boucher. On fait le salaire. Je dis, je vais confier ma tête à Dieu. Et